Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir le premier bolide du pack DRM. Le second arrive tout de suite avec la Ford Zaxpeed Capri Turbo DRM qui évoluait en Division 1, donc à partir, je crois, de 82. Son moteur 4 cylindres qui développait 600 chevaux pour un poids de 790 kg. Vous voyez qu'on est loin de ce que proposait la BM. Je vous invite à aller voir l'autre épisode de Track Day pour comparer un petit peu les chiffres. Mais cette voiture est tout simplement démentielle. Par contre, elle est beaucoup plus difficile à piloter que sa collègue avec le passage du turbo, toujours très délicat sur ces machines. Beaucoup d'appui en courbe, beaucoup de vitesse. Bref, le bolide idéal pour aller se faire mal sur la Nordschleife. Une fois de plus, la réalisation est très très propre, que ce soit au niveau sonore ou au niveau visuel. Je vous laisse d'ailleurs en profiter. Vous connaissez la tradition, les amis. Montez le son !